nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je casse ta colonne vertébrale de reptile. Qui tu es? C'est ce qui m'a mis dans son vrai. C'est ce qui te l'a donné. Oui, oui. Et toi, tu es qui? Je suis l'esprit que sa grand-mère adore. Et tu vis où? À Bongwanou. Où à Bongwanou? À Bongwanou, à Nikro. À Nikro? Oui. Tu es dans les eaux ou bien dans la forêt? Je suis dans les eaux. Dans les eaux? C'est moi qu'on a bestilu, son côté, c'est moi. Vous tous nous regardez en direct pendant que son soeur reçoit sa délivrance. Son côté. C'est l'esprit qui pense comme un serpent des eaux. Commandez le feu, commandez la vie. Commandez le feu dans vos villages. La sœur, tout à l'heure, au cours de sa délivrance, l'esprit parlait par sa bouche, disait qu'elle venait de l'eau de Sokoté, à Bongwanou. Sokoté, c'est un village? Non, c'est, l'eau est au centre-ville de Bongwanou. Et il y a des silures, ce sont des totems. Dans la ville de Bongwanou? Dans la ville de Bongwanou. Et l'eau ne finit jamais. Ah bon? Oui. Mon Dieu! Il y a toujours de l'eau. Et les silures qui sont dedans sont des totems, on ne touche pas, on ne mange pas. Des silures sacrées, démoniaques. Sacrées, démoniaques. Et c'est l'esprit de cette eau-là qui fatiguait notre sœur. Tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti quelque chose dans mon ventre. Parce que depuis longtemps, il y a comme un serpent dans mon ventre qui me fait. Oh, c'est Sylvie là qui fait ça. Souvent même, je vois ça en rêve, on me dit c'est mon mari. Puis on me montre un poisson, Sylvie, on dit c'est mon mari. Et puis après, il se transforme. Et puis, il vient coucher avec toi? Non, on est comme dans une pièce fermée. Et puis, on dit c'est mon mari. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. Tu es vierge? Non, papa. Tu as délivré ma fille. Faut vivre la chasteté, hein. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Tu sais même pas, toi, tu es là et puis tu te retrouves après dans des autres, tes affaires sont gâtées. Ta femme, même là, elle tombe malade. Parce que ce côté, quand il rentre en lui, il va détruire tout, hein. Le démon cherche seulement une porte. Et la porte du sexe est la porte par excellence. Parce que c'est avec le sexe qui peut être un même esprit, hein, toi. Tu as délivré. Oui. Qu'est-ce que tu promets à Dieu? Je promets de chanter pour lui. Chanter tout. Même le diable me chante. Non, papa, il veut rentrer dans une chorale, le sexe. Il faut d'abord vivre la chasteté. Oui, papa, il vit la chasteté depuis. Depuis combien de temps? On rentre dans la troisième année. Ah, on acclame le Seigneur pour elle. Merci Jésus. Ah, c'est bien. Tu me connais? Tu me connais? Wouhou! Qu'est-ce que c'est? Sors de ta place! Qu'est-ce que c'est? Pendant que cet esprit. Allons-moi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Moi, je suis Tanoué. Voilà. Tu es seul, mais tu es avec qui? Seul. Je suis Tanoué. Tu es avec qui encore? Ça. Allons chez nous. Tout esprit de Tanoué, tout esprit qui habite dans les eaux. Maintenant, Tanoué, tu t'en vas. Allez, pas. Pas d'elle, allez, pas. Elle est déclarée libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu! Que cette eau qui devient le sang de Jésus te brûle. Te brûle. Pendant que cette soeur reçoit sa délivrance, que tout esprit totémique qui vous a suivi ici, que son pouvoir et sa présence soient entièrement détruits de votre vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Qui tu es? Je t'ordonne de parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton siège dans ses cheveux prend feu et sont détruits au nom de Jésus. Toute couronne démoniaque prend feu et détruit au nom de Jésus. Tout cori dans sa tête prend feu et détruit au nom de Jésus. Je t'ai posé une question. Qui tu es? Parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne parles pas, que ta langue prenne feu, que ta langue spirituelle prenne feu, prenne feu. Dites avec moi, oh Dieu, tout esprit qui m'oppresse et qui est caché,
qu'ils soient exposés par le feu. Par le feu. Par le feu. Alléluia. Maintenant que ta langue a beaucoup brûlé, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? C'est moi, je suis dans l'eau. Quel est ton nom? Je suis dans l'eau de son village. Quel est ton nom? Que cette eau qui vient de Dieu te brûle et te détruise. Quel est ton nom? C'est moi qui coiffe le village. C'est toi qui coiffe le village. C'est Marco qui coiffe le village. Esprit des eaux, quel est ton nom? On m'appelle Wakaloa. Moi, on m'appelle Achia parce qu'on Marie de Jésus. C'est Wakaloa. Tu opères avec l'eau. Depuis son enfance, c'est la plus intelligente de la famille. J'ai tout bloqué. Elle avait fait sortir sa famille de la pauvreté. Quel village tu coiffes? Le village, c'est Kwebo. Kwebo. Et vous êtes combien? Tu travailles avec quel autre esprit? Donc c'est toi qui es le chef. Tu as une autorité ou une principauté? Je suis la reine mère de l'eau. C'est moi qui coiffe tout le village. Et comment tu es entré dans sa vie? Depuis son enfance. Et qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Ah, j'ai tout bloqué. C'est la plus riche de sa famille, je l'ai bloqué. Esprit de Wakaja, maintenant. Ici c'est Jésus-Christ qui règne. Regarde-moi. Ouvre tes yeux spirituels et regarde-moi. Voyez la haine. Donc si tu te tiens là que tu n'as pas Jésus et que toi quand tu es de prier non tu forces un esprit de rébellion, hein, tu te poses à tout, tu tout le monde tes parents, tu as un esprit d'impureté, en fait tu es contrôlé. Il y a des gens qui sont possédés de sa part. Ce sont les signes qu'il y a un esprit. Toi crois que donc tu as venu la prière et puis en fait ta délivrance, ça ne marche pas comme ça. C'est le jour où tu as décidé que tu es fatigué, tu veux te libérer, que Dieu va te restaurer. Maintenant tu t'en vas pas. Allez, sors. Merci Seigneur. Je déclare à l'autorité de mon office qu'elle est libre, que jamais plus. Parce que tout ce qui est lié sur la terre et dans les cieux, je lis sa délivrance et sa restauration totale au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, ma fille, comment t'appelles? Prophète. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure là? Je sentais une force. Une force quoi? Oui. Tu viens de quelle région? Kwebo. Kwebo, c'est quoi? Baoulé? Oui. Tu es marié? Tu as quel âge? 31 ans. Wakaloa, c'est quoi? C'est le marigot du village. Tu l'as déjà vu apparaître dans tes songes? Bon, pas exactement l'eau. Mais il m'arrive souvent de me voir aussi dans l'eau. Dans l'eau? Tu es marié? Non. Tu as fait des études? Oui. Tu es libéré? Tu as pris, non? Non, disons merci à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Amen.